Mesdames, Messieurs, tout d'abord, un grand merci à Nassima pour ses propos chaleureux et surtout pour son engagement à mes côtés, à nos côtés, pour Saint-Denis, mais au-delà de Saint-Denis, elle a évoqué dans toutes les autres communes de la Réunion. Car je dois vous dire notre joie, la joie de Nassima, bien sûr, et de la mienne, de vous accueillir ici, dans cet hôtel Concorde. Et je dois saluer également Michel Fontaine, notre président de l'UMP, et aussi Ibrahim Dindar, le président de la droite sociale. Il s'agit pour nous, avant tout, de marquer très fortement cette étape importante du rassemblement. Le rassemblement des forces qui travaillent depuis des mois, des semaines, des jours, pour préparer cette reconquête que nous attendons, la reconquête de cette ville, de cette grande ville, la plus grande ville française de l'outre-mer. Deux personnalités, deux mouvements politiques, deux expériences de gestion de grandes collectivités sont réunies pour les Dionysiens. D'autres étapes suivront, d'autres étapes pour nous permettre de rassembler toutes celles et ceux qui veulent nous accompagner dans notre démarche. Je pense en particulier à Michel Labour. Nous avons besoin de son expérience et nous avons besoin également de son engagement sur le terrain pour être à nos côtés. Je pense aussi à d'autres formations qui ont déjà commencé à s'implanter ou à travailler et qui ont le même objectif que nous, c'est-à-dire faire battre le maire actuel. Je pense notamment à Objectif Réunion. J'espère que, fort de tous ces soutiens, de tous ces appuis, nous aurons les moyens, grâce au vote que nous rassemblerons en mars 2014, de faire redémarrer le moteur dionysien qui est en panne. En panne depuis 2008. La courroie du développement économique a été cassée. Abandon de nombreux projets, absence de vision économique, avec pour conséquence plus de 7000 chômeurs. Ce sont les chiffres de l'INSEE, chiffres du recensement du nombre de chômeurs en augmentation de août 2008 à août 2013. Nous avons vu également fleurir beaucoup de chantiers depuis quelques mois sur Saint-Denis. Mais ces chantiers ne vont pas infléchir la courbe du chômage sur Saint-Denis. J'ai envie de dire que derrière ces chantiers se trame de l'affolement économique à la veille d'un scrutin crucial pour les Dionysiens. Cet affolement économique, c'est pour justifier ce bilan catastrophique que nous constatons jour après jour. La courroie du moteur social est déchirée. Jamais, je vous dis bien jamais, les associations qui travaillent dans le domaine du social sur Saint-Denis n'ont distribué autant de colis alimentaires. C'est un signe que la population dionysienne s'appauvrit de jour en jour. La population dionysienne souffre. Elle souffre de la politique de Gilbert Manette depuis 2008, de la politique de François Hollande. Aujourd'hui, je peux affirmer, nous pouvons dire que c'est un véritable tsunami social que nous vivons et que nous subissons. Si la courroie du moteur économique ne fonctionne pas, pas de moteur social. Et si on veut que le moteur social fonctionne, il faut que le moteur économique fonctionne. Il faut donc très vite remplacer ce moteur qui est en panne. C'est ce que, aujourd'hui, Nassima et moi proposons aux Dionysiens. Demain, Nassima, René Paul et Doc seront donc unis pour que 2004, c'est l'alternance. Pardon, 2014. 2014. 2014, c'est la dernière. Merci.